désastreux. J'ai presque à parier qu'ils vont encore essayer de me faire détrôner. Toi. Oui, maître. Désastreux. Non, c'est pas vrai. Ils ne foutent jamais la paix. Si jamais tu les croises, tu les tues. D'accord. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça va prendre trop de chemin pour les rencontrer. Je m'en fous. Allez-y, tue-le. Je vais souhaiter de plus jamais revoir des personnes sur notre île. Alors là, ça va mal parer. Une, ok, mais les autres, merde, quoi. Ça m'énerve. Cette île est à nous. C'est mon île. C'est moi qui a réussi à faire toutes les épreuves. Et je veux pas que l'un d'entre personnes essaie de détrôner ma place. Oh. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors. Ok. Bon, maintenant, reprenons à notre affaire. Les gars, on est perdus. On est perdus sur une île. On a perdu notre bateau. On sait même pas où est-ce qu'on est. On est dans une île trop déserte. Et on va rester ici pour une éternité. Oh, tais-toi. Oh, sale oiseau de merde. D'où tu traites d'oiseau de merde? Je suis Choisange. Ouais, bah, je préfère t'appeler comme ça. Franck, on est perdu? La loose! Oh, super! Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. D'abord, Cuphead, il a foutu la merde et du coup, je suis rendu avec un psychopathe comme lui. Ouais, j'en suis fier. En plus de ça, je me suis fait capturer par un pirate, balancé ici en plus. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Dans tous les cas. Qu'est-ce que tu fais, Steven? Il a quand même un drôle de goût, je trouve. T'as vu? Mais je t'emmerde, toi! Je veux dire, tu m'énerves! Quoi? Je t'énerve? J'ai rien fait de mal! Ah bah bravo, Buckman! Tu as fait pleurer Melman! Mais je n'ai rien contre toi, Melman! Enfin, il s'appelle comment? Il s'appelle comme ça? Subtil! Oh mon dieu, il est subtil! Ah bah bravo! Désolé, je veux pas! Non, c'est pas vrai! Et comment ça se fait que ce cochon totalement dingue soit des psychopathes? Eh ben laisse-moi te raconter tout ce qui s'est passé. I would throw that present in the fire and go and do something about all this nonsense. Et voici mon histoire. Et comment ça se fait que tu voulais... honnêtement, si tu n'aimes pas ce mec, pourquoi est-ce que tu rejoins dans son équipe? Bah comme je l'avais dit... bon, il faudrait un flashback pour tout expliquer. Mais à la façon Dr. Sclosy aussi, à la même manière avec Dottie Porcinet.
Oh no, Grandma! No, not the whip, Grandma! Oh yes, it's time for a good old-fashioned beating! Oh, no! Oh, tu t'es fait vraiment tabasser! Oui, exactement. J'ai même pas la moindre peine pour toi. Quoi? Pourquoi? Parce que j'aime pas les bleus. Et je suis raciste des bleus. Mais attends, c'est une costume bleue! Et ton nez est bleu. Raciste! Moi, j'aime pas les racistes. Honnêtement, il y a la puce d'Azuli. Et pour toi, elle est trop canon. What? Je veux dire, elle est trop belle. Maintenant qu'on est coincé, qu'est-ce qu'on va faire pour chercher le trésor? Le trésor? Ah oui, le trésor. Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir d'ici maintenant? C'est sans espoir. Vous l'entendez, ce bruit? C'est vraiment un drôle de bruit, je trouve. Et c'est maintenant que vous l'avez remarqué? Je suis un peu bête. Sans blague, Sherlock. En version girafe. Un lapin? J'adore les lapins. Pourtant, je vois jamais de vrai lapin, mais ça... Préparez-vous! Le danger, le serpent va arriver. Le serpent? Le serpent. Ah oui, c'est évident. Qui voudrait avoir peur d'un serpent comme cela? Non, un serpent totalement toxique, totalement dangereux. Préparez-vous, il arrive. N'importe quoi, il est dans une cage, ils peuvent même pas... Tiens, un serpent. Attends une minute, je suis un combattant maintenant, je peux le battre. Yeah. Attends, je croyais que ton grand-père ne veut plus que tu bats avec qui que ce soit depuis que tu as détruit le casino. Ah oui, c'est vrai, merde. Et de gros mots. Ah, désolé. Mais moi, je suis Choisange, et je... Pourquoi vous m'aidez même pas? On sait même pas se battre. J'ai des lèvres blondes, du coup je sais pas comment me battre. Est-ce que je dois... Ça Attends, rappelle-moi, c'est Rose Quartz. Attends, depuis quand les bros des... Rose Quartz? Et comment ça se fait qu'ils soient devenus bros d'ailleurs? Je sais pas. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? T'inquiète pas, mon très cher Steven, je vais essayer de l'avaler. Autant pour moi. Pas les coups de fouet, tout met pas ça. Oh mon dieu, ça fait trop peur. Il est grand temps que je passe à l'action. Alors connard, je vais t'utiliser une torticolis, une très belle. Haha, il s'est fait piéger. Ah, tais-toi. Hey, qui vole ma cible? Shoot dans le serpent. Carré. Oh mon dieu, le cheval. Oh, merci de comme... Oh non. Ravi de vous revoir. Hein? Non, pas toi. Toi. Quoi? Tu as osé détruire mon casino. Et ça, je te pardonnerai jamais. Mais parlons à autre chose. Pourquoi est-ce que tu es devenu gentil alors? Ça, c'est mon secret. Ok? Ah, j'espère que tu as retenu la leçon. Ouais, blablabla. Mais enfin, bref. L'heure est très grave.
Franchement, pourquoi tu parles? Oh non, t'essaies de me dire que le pirate va chercher nos trésors? Non, pas ça. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Kulta? Kulta? C'est qui ça, Kulta? C'est le dangereux Toa squelette. Il a réussi à conquérir cette île. C'est-à-dire, vous voyez ce petit serpent, quoi? Il vous a ordonné de vous attaquer. Sérieux? Ouais, exactement. Parce qu'il veut pas revoir les étrangers. Et ça se passe bien sur cette île? Non. Et pourquoi tu te fais du soucis d'un seul coup? Parce que je suis devenu gentil, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, j'essaie d'être sérieux. Franchement, j'aime pas quand on vole la place du démon. Le démon est beaucoup plus classe que Kulta. Kulta, c'est nul. En plus, il mérite même pas d'être le meilleur méchant de tous les temps. Mais le plus grave de tout ça, c'est que il a même le trésor. Le trésor? Oui, exactement. Vous êtes à la recherche du trésor, apparemment. Ouais, exactement. Alors, pour tout ce que vous devez faire pour battre Kulta, il suffit de battre 4 de ses membres. Mais pour battre 4 de ses membres, vous devrez chercher les points faibles. Les points faibles? Mais quels points faibles? Il suffit de chercher les indices de 3 zones. Une dans l'école, une dans la forêt, et une dans le volcan. Dans le volcan. Dans le volcan. Exactement, dans le volcan. Il existe le volcan? Pas le volcan! C'est ça ou rien. Ou bien l'île sera de plus en plus sombre. Parce que dans quelques semaines, l'île deviendra l'île toxique à cause de ce Kulta. J'avoue. Et si c'est pour le trésor, j'accepte le défi. Attends, ne vois-tu pas, quoi? Le roi Dédé est un menteur. Roi Dédé, je te rappelle quand même que à cause de toi, j'ai plus de casino. Je m'appelle Mister Dédé maintenant. Ouais. Pourquoi tu fais plus le tronche effrayant? À cause d'Internet. Internet a tellement foutu en l'air mon côté frayeur que maintenant, on m'autorise même plus de faire le truc frayeur. Ah, d'accord. T'es sûr que c'est pas une blague? Et pourquoi tu te fais une... Je te l'ai dit, encore et encore. Sinon, je te donne une baffe. Morveux. Ouais. Je n'aime pas aider quelqu'un. Mais bon. C'est vrai que que le fait que Kulta se montre beaucoup plus sombre, je suis très jaloux, j'avoue. Parce que moi, les trucs totalement torturants, c'est mon truc. Bon, allez, qu'est-ce qu'on attend? Tu avais bien dit que le premier indice se trouve à l'école. Exactement. Oh non! J'ai même pas révisé les contrôles! Parce que dommage, parce que ça va risquer d'être douloureux. C'est pour ça qu'on est là. Franchir des obstacles. Allez, les gars. On a des indices à chercher et des toits à les défoncer. Ok, chef! Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! On ne sait pas qui est le chef. Bah c'est moi! C'est moi le chef! Je suis le roi des stratèges! Allez, suivez-moi! Hey ho! Hey ho! On va chercher des indices! La 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 la! Oh, je déteste les chansons Disney! Et je fais partie du personnage Disney. Bon, bah j'espère que tu vas pas encore faire un coup bas, hein! Qui te dit que j'allais faire un coup bas? Ouais, c'est ça. Allez, Melman! Bande de morveux.